Amis sportifs de partout, bonsoir. C'est un plaisir aujourd'hui pour nous retrouver sur Haïti TV. Côté que nous pouvons apporter Choco Rémi en plus là, qui est Sport Mag. Comme d'habitude, moi-même avec Stéphane Guillaume, toujours pour tout ça pour la caille. Steph, bonsoir. C'est un plaisir. Salut, Rosy. Oui, nous saluons tous les téléspectateurs. Vous avez fait déjà. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous porter une nouvelle émission Sport Mag pour nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous pourrons parler de un paquet de bagages. Alors, nous pourrons quitter Stéphane Guillaume et présenter ça à la minuit. Steph, ça à minuit aujourd'hui. Ça à la minuit aujourd'hui. Nous connaissons basketball, là, c'est Ray Allen. Et puis, nous avons mentionné Strikers. Qui pas tout mal marché dans NASL là et puis Jean-Marc Alexandre qui opéré dans genou qui ACL donc parce que c'est opération que un joueur vraiment pas taré mais subi. Nous gagnons Don Bosco, nous passer dans ville Saint-Marc côté Nital sur Parc Level de Saint-Marc, nous font parler avec Patrice Dumont et puis Coupe du monde de Russie 2018 là, donc on est en Europe quand bagaille en Amérique comment ça et tout et puis nous pas oublier Haïti. Haïti c'est pays nous bon, et nous allons débattre point ça qui c'est CONCACAF là éthique dans CONCACAF là connaît que il était gagné dans la Coupe du monde, de gagner Realen, Steph et Golden State, Realen et qui sont joueurs historiques et en ce qui a trait de basketball qui nous connaît qui ça monsieur ça a fait le dé dans Miami Heat et un peu monde qui songer exploit ça bien que c'était Boston. Non, c'était Miami Heat contre San Antonio Spurs. Et un match qui est censé finir bas la guette a passé pour apporter coupe sorti de yo pour équipe San Antonio et puis Ray Allen qui joue un ballon et LeBron qui fait dernier shot là pas entré et puis Bosch joine pour le Ray Allen qui intelligemment fait deux tirs par derrière et puis il fait trois points et puis c'est après Miami t'as pral relancer dans bataille là alors je dis c'était 3-2 une victoire de San Antonio Spurs. Il était tout champion la Kai Miami Heat. Eh bien, côté 3 points, ça, pour Real Interval Fell, je pense que c'est un 3 points magique. On va gagner historique. J'aime oublier ça parce que c'est 3 points, ça, qui peut aider Miami, il vient remporter le titre là encore. Bon, avec LeBron James. Ouais. Et puis, et Steve Guillaume, jeudi à Real qui signe avec Golden State. Ouais. On l'autre fois encore, Golden State qui est en train de prendre M. Curry Kevin Durant. Ouais. Mais maintenant, il prend Real. Est-ce que son équipe a monté pour Cleveland ou bien? On va dire pour Cleveland, pour NBA même. C'est impossible déjà, Steve. C'est impossible avec deux. Il prend Durant qui sont méchants et tireurs dans trois points. On est qui pénètre en pile dans le basket là, qui sont un bon basketteur. Et ensuite, je dis, il prend Real qui sont bons trois points. Il y a Steve, il y a Curry qui sont bons trois points. Il y a Thompson qui sont un bon shooter. Alors, on pense que là une équipe qui est censée impossible, est-ce que les Browns pourraient être capables et qu'un équipe ça alors nous par contre on a prêté pour nous suivre absolument parce que même si Real n'a pas entré dans l'âge bah j'ai un peu on gagne 3 points seulement dans un match capable de faire grosse différence donc c'est quand même c'est une bonne acquisition et ceci l'on dit comme ça n'est pas pour mais c'est une nèg dans NBA qui est vraiment discipliné on regarde pour monsieur son nèg jusqu'à présent le moment qu'a fait manger bouli on regarde pour jusqu'à présent le regard de Real nous est son nèg qui pas aucun tatou sous lit ouais monsieur très simple monsieur son nèg et c'est un homme qui ouvre un healthy restaurant en Miami côté que et salade by Sao stuff like that qui sont joueurs parce qu'ils veulent faire plus de bagarre pour Golden State Guillaume c'est sûr ils veulent faire ça bon parce que Strikers Kounia pour nous traverser dans Strikers qui a marché jusqu'à présent et pas trop mal mais quand même et avec deux derniers matchs que fait pas sans défaite et penser quand même Strikers bien présent et c'est gain espoir quand même pour ouais c'est capable de décrocher une place pour arriver dans playoff là et puis Jean-Marc Alexandre tout opération monsieur en côté que il est opéré dans ACL là on souhaite que la retourner en santé parce que l'offre opération dans ACL on pense que c'est plus gros opération joueur football ou bien quel que soit sport que pratiquer va t'arrêter faire. Il va t'arrêter faire. Et c'est vous parler de l'équipe Strikers qui a pu remonter. Strikers a pu remonter effectivement. Il fait deux matchs nuls. Yeah. Il fait 0-0 avec Minnesota. Et ensuite, après avec Cosmos, il fait 0-0. Et il me pense que le changement de terrain et l'équipe Strikers a, quelque part, est bon pour Strikers en pile. Ouais. Parce que nous, on l'autre équipe, on l'autre dynamite, on l'autre. Avec un Bruno Mas qui est remplacé. Et je ne peux pas comprendre ça, même, et qui a un paquet excellentissime footballeur là-dedans. Bruno Mas qui sont bons gardiens, et Restrepo qui sont bons gardiens. On va parler de Restrepo. Restrepo qui a retourné dans l'équipe Tampa Bay. Waouh! Je suis retourné dans Tampa, c'était l'équipe Tampa avant, après ça, dans MLS, qui a Vincent Strikers. Et à cause de belles prestations de la finance qui fait le retour de bas. Et ensuite, il y a gardé pour les variétés, gain Agues, gain Ramon Nunez, gain Felipe Luis, une variété extraordinaire en équipe Strikers. Je pense que Strikers sont une équipe qui a fait des clics là, qui a n'importe quel moment qui a normalement et remporté et tournoi ça. Moi-même, je pense que Strikers qui a pile bagarre dans Stéphane Guillaume. Moi-même, nous t'a souhaité tout pour Strikers arriver en finale ou bien semi-finale dans la compétition. C'est sûr. Et puis Jean-Marc, nous a souhaité monsieur bon établissement pour le gain de retourner
et rejoindre l'équipe là et puis peut-être commencer et l'autre saison qui va venir. Vous parlez avant de courir et changer bien, vous parlez de monsieur de Jean-Marc Alexandre qui fait opération, mais il faut que en courir féliciter monsieur ça qui c'est Jean Maslin. Ouais. Jean Maslin qui s'est fait petite ligne, je crois. Jean Maslin qui 3 septembre qui s'est passé là, monsieur Gontier garçon que il y a Prince. Il y a à peine gagné son c'est Jaden Prince, Maslin. Donc c'est vraiment ses félicitations pour et monsieur tout qui était opéré tout. Il était opéré de commencer, il a commencé pour entraînement, il pour une séance d'entraînement. Happy birthday to Prince. Yeah man. Et puis il a passé en Russie dans you know comme Coupe du monde là. Bon. Donc on passé marché pour la Coupe du monde là, pas pour nous, mais pour l'autre monde. Mais pour Amérique du Sud là, ouais. Amérique du Sud Stéphane Guillaume et était Brésil qui t'a joué contre la section colombienne de football, Brésil difficilement avec Neymar, on l'autre fois qu'a prouvé dans la section brésilienne de football qui était passeur, qui buteur, qui baille équipe et Brésil la victoire là 2-1 et puis t'as Pérou qui t'a joué avec Équateur, son match qui finit 2-1 en faveur équipe Pérou viennent, ça sont surprises quand même, c'est Stéphane Guillaume dans l'éliminatoire là. Et ensuite, tu as gagné l'Argentine qui fait 2-2 avec Venezuela. Et un match, Venezuela a tapé 2-0 sur l'Argentine. L'Argentine et qui cherchait toute brèche qu'on existait, qui est bien cadré terrain, qui est bien arrangé, qui plie. Et mais l'Argentine qui était l'Argentine, l'Argentine qui était joué une égalisation et qui était réduit ce score avec Preto. Et après ça, c'est Nicolas Otamendi qui a joué une égalisation son corner. Et parce que l'Argentine, sans Léo Messi nous connaît, qui était blessé, qui compte l'Algérie, qui était retourné et dans la Coupe Barcelone qui bat là. Mais quand même, le Brésil et le Brésil qui fait ça, le pour faire, mais l'Argentine qui fait 2-2, c'est là son éliminatoire qui est vraiment sérieux en Amérique du Sud, tant qu'on le toujours. Pas de équipe qu'on a gagné pour nous en Amérique du Sud, là, c'est pas équipe, pas de équipe du tout, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que au capable Brésil, l'Argentine et toute équipe qui vient à faire ce qu'on y a. C'est yo fait au travail, yo fait au travail, si vous font victoire, yo travaille en pile et pour faire une victoire ça. Et ensuite Stéphane dans l'Amérique centrale là, et nous connaissons que le Canada qui a joué avec Salvador, Canada et qui casse maintenant mais Salvador et 3-1 et puis le Mexique tout fait 0-0 avec Honduras et puis et Steve Guillaume ça tout le monde attendant et Haïti Jamaïque et après 40 ans je crois Stéphane. Après 40 ans, pas jamais gagné Jamaïque, je pense que la malédiction ça et nous retirer. Je ne dis pas nous gagner Jamaïque. Après 40 ans, nous avons gagné l'équipe ça, nous battons Jamaïque 2-0. C'est Kevin la France et puis il y a tout le monde qui joignent et brèche là pour Haïti. Et ensuite, Steve Guillaume, nous gagnons Jamaïque avec. Et on mixage que moi avant nous parler dans Sport Mag, on mixage de joueurs qui jouent en Haïti et joueurs qui jouent et à l'extérieur, nous un mixage ça marche bien en pile avec on Ricardo Adé. Je pense que monsieur qui est excellent et Stéphane Guillaume, monsieur qui joue extrêmement bien comme joueur équipe dans Bosco, on connaît le bien et mariage et Adé avec et Meshack là, parce que nous avons belle équipe, nous t'a demandé ça, bah connaît qui sont dans Jamaïque là, mixage et joueurs locaux avec joueurs qui jouent dehors. Ouais, gain pile joueurs qui retrouver sélection surtout dans joueurs locaux. Et je pense vraiment Adé c'est un joueur que nous toujours demandé pour lui, en plus l'autre monde a demandé pour lui. Sans oublier Charlie Wall Junior. Pour moi-même, monsieur changé toute sélection nationale là net avec présence Charlie Wall en demi-temps on va continuer. Oui, parce que Charlie Wall c'est pas la première sélection que il paraît la donne, il me pense vraiment. Moi je pense que c'est un but fait monsieur. D'après moi même bon, pas on exactement pour qui ça et raison ça parce que moi même pour moi même quel t'a joué en Haïti, quel t'a joué dans équipe au Cap ou bien quel que soit côté lié. Pas connait pour est-ce que pour discipline peut-être, pas connait. Mais quand même moi pense c'est monsieur des zones. Bon. Parfois, on est jeune, bon, il y a des bagages que les jeunes doivent faire et qui ne pas en compte avec eux qui pas l'instance dirigeant. Mais quand même, peut-être qu'il y a des actions que les joueurs doivent faire, ça capable. Il y a comme pénalisé pour ça. Et puis Kevin fait perdre en pile et chance qu'il était capable de joindre depuis avant ça. Et puis me penser quand même et bon avant nous continuer et vous dire faut nous penser nous parler pour une petite pause et puis n'a pour retourner pour nous parler plus de sélection nationale là. Tout à fait. Fanatique football, fanatique tout sport en général, moi même Watson Coriolan, l'aime dans Floride, émission préférée moi c'est Sport Mag dans Haïti TV avec Stéphane Enoudi. Amis sportifs, nous de retour après pause là. Steve Guillaume, nous t'a parlé de l'éliminatoire et CONCACAF là et nous pas t'accablier en équipe tako équipe américaine non et la section américaine de football qui cassé maintenant Trinidad 4-0 Stéphane Guillaume et puis il a gagné et Guatemala et qui écrasé équipe Saint Vincent Grenadines 9-3 Stéphane Guillaume.
Bon, oui, États-Unis, dans la zone, non, c'est États-Unis, c'est Mexique, c'est monsieur Sao qui est en charge de groupe là. Donc, il n'y a pas groupe là seulement, toute zone là. Donc, oui. Bon, c'est vraiment États-Unis, c'est même là que on doit baisser, ou bien on doit avoir un Donovan dans l'ancienne équipe là pour dire ça, c'est vrai d'équipe là, mais quand même, son équipe qui toujours travaille, qui toujours progresser. Et nous avons parlé de la section haïtienne de football, Steph, qui était joué en Haïti, Pays en Asie, devant Costa Rica, et ensuite qu'il y a les Jamaïques qui font victoire historique 2-0, Steph. Ou même, et qui ça représente pour vous-même après 40 ans de Bajam Gen Jamaïque, nous réussissons à Gen Jamaïque avec un mixage joueur locaux et joueurs à vous à l'extérieur. Ça fait longtemps vraiment que nous pas jamais font victoire contre la sélection senior jamaïcaine. Parce que, non, oui, dans Timounio, nous vendons. Et c'est ça, nous toujours dire que c'est ça qui est important, l'op travail dans l'équipe jeune. Parce que si nous croisons avec eux depuis l'équipe jeune, nous avons fait victoire contre eux-mêmes, et puis après, l'équipe jeune, ça nous dégagne, ils ont séparé. Pas en continuité dans le travail. Parce que c'est même monde qui va jouer. Vous pensez continuité par rien? Bon, chaque équipe jeune nous gagne, vous dites, ou pas la majorité joueurs ça est séparé, allons l'autre côté. Donc ça. Je pense que le problème dans Stéphane Guillaume n'a pas passé sur bien vite parce que la majorité n'est que ça, il y a un programme qui gagne Jamaïque. Là, c'est ça, Mabzou. Il y a joué de yo, il y a toujours été dans le même système. Mais c'est ça, Mabzou. C'est ça, Mabzou. Équipe par nous, nous-mêmes, jeunes par nous, nous séparons. Pas de continuité. Exactement, parce que c'est même équipe jeune, ça, qui va le croiser encore, là, où commencer là, où arriver dans la sélection senior. Donc, parce que nous avons fait moi devant la sélection junior, puis nous arrivons dans la sélection majeure, et équipe par nous, on sépare. Oui, je pense vraiment que Haïti a fait deux matchs là. Le premier match là, c'était contre Costa Rica. Et puis, deuxième match là, contre la Jamaïque, côté qu'on fait une belle victoire. Bon, avant de continuer, nous avons fait deux trois interviews avec la première interview, c'était Charlie Wall Jr. On a invité Mounio, suivre l'interview ça. Charlie Wall, dis-moi, comment il y a après, je peux dire, ça fait un bon temps que je fais partie de la sélection nationale là. Malgré toute belle performance que vous fait dans Sibao, même dans la tempête, donc il fait un bon temps que vous prenez la sélection nationale. Comment sentez-vous après trois ans, je crois? Deux ans que vous finalement, que vous êtes pour retourner dans la sélection. Comment sentez-vous ça en tant que capitaine? Hein? Bon, vous avez nos pigs dans le groupe là pour l'expérience et pour l'âge tout. Et pour les gens qui ne connaissent pas, il faut profiter de ça parce que 23 ans, le jeu olympique, il y a 3 joueurs qui ont plus que 23 ans. Je pense que pas de la sélection, ça n'a pas de fond de défaut parce que nous avons toujours été joueurs de sélection nationale. Sauf qu'il y a un groupe de gens qui peuvent représenter le pays. Il y a des gens qui sont à niveau, qui sont performants. Je pense qu'il n'y a pas de 50 personnes, c'est 18 personnes de points. Et je ne fais pas partie de 18 personnes. Et comment y est-ce qu'on y a avec sélection en tant que capitaine, on a préparé une compétition et comment est le groupe là en général? Et c'est un groupe qui gagne à venir, c'est une équipe de jeunes joueurs qui gagne 22 ans. Parce que c'est un grand pile à venir et il suffit que vous ayez une préparation. Et il y a un pile de joueurs là qui a fait partie de la sélection A. Parce qu'il y a continué sur le même lancé pour le travail parce que. Et son travail, même les entraîneurs et principal, là, c'est le coach Joseph qui a dirigé le groupe ça U23. C'est le coach Atelier qui a pris note. C'est un côté très 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 performant à l'entraînement et Josia. Et bien que nous perdons 3-1, le premier goal là, il faut demain, deuxième goal là en pénalité. Et troisième goal là, encore, on a fait un touche. Je ne sais pas si c'est basket, on a fait un jeu. Abidla a accepté de quitter le jeu. Nous perdons 3-1. C'est à recommencer ce travail. Et travailler est très important parce que sans travail, il n'y a pas de réussite. Et on va continuer sur le même lancé. Je connais qui match après, mais je connais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent quand même. Tout à fait. Bon, et comment, ouais, par exemple, nous connais pas mal, il faut retourner dans l'équipe là, tu as une malgré possibilité de parler avec lui. Et comment, ouais, par exemple, chaque joueur qui vient participer dans la sélection nationale, comment est la mentalité? Est-ce que vous avez envie de jouer? Est-ce que vous avez envie? Ils ont envie de gagner, de représenter la sélection nationale. Parce que souvent, nous avons des bons joueurs, c'est vrai. Mais on a toujours un petit bagage qu'on manquait, comme si mentalement, physiquement. Et quand on a un bagage qui manquait, est-ce que vous comme si joueurs, ça, qui viennent entrer dans la sélection nationale, est-ce que vous avez envie pour jouer, pour défendre le pays à tout le même? Ou bien, comment vous avez? Bon, et Pablo, monsieur, ça, le groupe, ça, actuellement, nous fait 17. U20 et actuellement dans la catégorie. Là, si vous n'avez pas de envie, si vous n'avez pas de comme de gagner ça, si vous n'avez pas de envie de jouer pour payer, parce que immédiatement, il y a un grand joueur qui peut jouer pour Haïti, il faut que représenter le bien, parce que il y a un peu de monde qui n'a pas de chance, il y a un peu de joueurs qui t'a aimé là, mais
Jean-Zoula, il va pas prendre pile monde, ça veut dire ses performances. Aznek yo yo fait base yo sorti 97 yo sorti 90 jusqu'à présent à jouer. Parce que nego yo très motivé, yo gagne envie moi me font petit temps avec yo. Et son belle ambiance et comme d'habitude depuis on est arrivé dans range nous tous ses frères. C'est aussi des nexo comme c'est nous ses grands frères. OK, on a nous retourner en tant que capitaine hein. Vous retournez en tant que capitaine, moi je suis vraiment fier parce que on va porter grâce à et bon, souhaite un grand Québec comme ça parce que moi même toujours parler dans pagement petit comme ça que vous méritez sélection et me souhaite qu'on a même comme advice pas mon cabao en tant que ancien joueur sélection nationale là et aucune possibilité pour retourner dans ce système encore et pas tout de même et c'est attendre comprendre ça que moi de faire paraître agir plus professionnel parce que je suis là et puis pour toujours continuer à faire sélection ou sélection olympique là toujours faire et puis pour continuer avec carrière ou dans sélection jusqu'à ce que tu as décidé pas jouer pour sélection encore. Bon, on connait la fonte qui était sélection de côté, n'a font retourner connait nous connait la tempête pour quitter tempête ou aller jouer pour Siba. Comment ça t'aille l'autre qui était tempête pour aller joindre Siba? C'est un prêt, c'est pas tellement facile. Et il n'est pas difficile non plus. C'est... Après 8 ans, je fais une tempête, je fais tout le bagage net, je fais tout le fait qui existe. Je vis l'expérience dehors. Et aller à Santiago, c'était une décision que je prends moi-même avec et Léonore, ancien président de la tempête. Et je décide d'aller à Sibao. Et Sibao a pris un pack de bagage qui fait que je arrivé à jouer. Comme si sens professionnel là et comme si professionnel pas veut dire on est seulement touché plus de millions c'est et venir à l'heure d'entraînement venir à l'heure de manger présent sur terrain dans tout et action c'est ça qui est un professionnel. C'est sûr. Et bon, Kounia, nous connaissons qui est tempête, nous sommes Sibao, c'est Sibao a fait très bien. Et dernièrement, là, nous avons gardé un goal que vous marquez pour l'équipe Sibao. Comment est le groupe Sibao en même? Comment est-ce que les gens ont acquis par rapport à l'équipe tempête là? Non, nous n'avons pas fait de différence parce que tempête c'est l'équipe PAM, c'est là que nous grandissons. Mais Sibao a un succès qui vraiment avancé, pas oublié. Et pays, c'est un paquet de pays qui travaillent pour développer. Ah. Et ils veulent entrer dans le sport, ils utilisent tout le monde possible pour faire le sport. Et venir dans le sport dans le pays, ils ont fait nous-mêmes en Haïti, nous avons fait le sport avec le football. Mon cher, je suis vraiment content que vous retournez dans la sélection, je suis vraiment content de continuer à jouer. Et vous avez un club vraiment capable de dire que c'est un plus gros club qui est le même connu. Je suis vraiment content de retourner sur le terrain de football. Là. Et donc, il y a des gens qui parlent que l'impossible pour quitter Sibao pour aller jouer. Et est-ce que vous voulez mentionner? Vous voulez pas mentionner, c'est vous-même qui vous avez mentionné. Non, moi-même, je vais Non, pas gain à sortir de là. Yeah. Un professionnel est un professionnel. Je suis contre Sibao. Yeah. Pour le moment, je ne que pas dire le club. Jusqu'à présent, je suis là. Jean nous saute bien mesdames et messieurs donc on est sélection nationale là vraiment et monsieur il a dégagé pour être capable de venir et toute victoire qu'il est capable de venir et pour l'équipe ça continuer grandir mais tout comme tout dans championnat national là tout nous t'ai fait un petit parler avec équipe Don Bosco hein. Nous t'ai passé nous t'ai gardé entraînement monsieur nous t'ai fait un petit parler tout avec Canel Jean-Charles qui c'est capitaine équipe Don Bosco. Salut Stéphane, salut tout fanatique sport Mario. C'est un plaisir pour participer avec vous et pour vous voir. Et pour m'avoir impressionné de tout ça sur le dur là. Et je suis vraiment content parce que mon ancien opération de 2016 ans, son plaisir. Donc, je pense que c'est vraiment pas pour bien, qui sont capables de dire qui cause ça. Moi, c'est, je dis là, nous commençons ce qu'on a très mal. Ni Tito, ni Bissa depuis, nous parlons à niveau ça. Je pense que nous avons 0 points sur 9. Moi, c'est demain, c'est 4e journée. Si nous voulons faire un bail positif, dans ces côtés-là, je pense que demain. C'est à peu près assez pour rien. Parce que nous sommes mettés des choses dans la dernière demain. Mais c'est dans quelle mesure demain nous avons fait le championnat. Et capable de tout le moment pour essayer de décoller. Parce que nous faisons 3 journées dans le championnat national là. Et 2 matchs dans la Ligue des Champions. C'est plus important pour essayer de gagner le match demain. Canes, bon, nous avons votre job jeudi. Sélection nationale l'a éliminé. Et comment on prend ça? Il n'y a pas être une déception, parce que personne ne va pas attendre. Nous avons pris le temps depuis, nous avons passé dans la bataille, nous avons fait l'opération 2006, ça n'a pas marché. 2014, 2018 encore, nous avons échoué.
On a, c'est pour nous essayer de faire un travail à la base. On a mieux depuis au petit. Essayer de faire une bonne formation. Et puis, essayer de placer dans des grands clubs. Et puis, on essaie de quelle manière nous avons réussi à aller dans le monde. Tout à fait. En tout cas, quand est-ce que vous avez un objectif pour gagner? Est-ce que vous voulez retourner côté dans le monde pour vous sentir satisfait? Ou bien est-ce que vous avez un objectif pour être capable de faire dans votre club? Ou bien est-ce que vous avez des matchs qui sont déjà pour gagner dans votre club? Non, des matchs. Oui, des matchs en fait, ça va aboutir pour me passer. J'ai 29 ans. À 29 ans, je me passer. Ce n'est pas l'âge du football, c'est l'âge de la maturité. Ça veut dire, c'est des matchs faits, je vais chercher en Asie, mais ça va beaucoup marcher, je vais continuer. Si dans le monde, on va continuer à essayer de performer et pour nous jeunes. Les exploits, c'est à passer tout le monde pour à l'étranger. Un dernier mot pour Fanatic Sport Mario qui a regardé sur Haïti TV avec jeune et tout, et qui a beaucoup de canards comme exemple. Un dernier mot. Salut, je vais vous demander de continuer à supporter l'émission. Je vais apprécier ça. Nous avons participé dans le développement sport payant, ça fait plaisir. Tout le génie, on m'a dit essayer de focus sur l'école et puis le football là tout. Le football là qui a aidé au réussir, si y a ville, vélo serré. Bon, amis téléspectateurs, j'en ouvre là et Sportmark, c'est ça que nous faisons, c'est ça nous déplacer dans la Caïmounio, dans l'équipe. Ou bien passer, ou même. Vous connaissez, vous connaissez. Comme vous dites, on va quoi dire. On va travailler. Comme vous dites, si vous avez passé, vous passez, moi, je fais déplacement. Nous faisons ça, moi. Concentration ici. Au fond, petit déplacement, moi, mal dans la ville Saint-Marc, pour nous parler de ça, dans la ville Saint-Marc, côté qu'il y a une nettoie image et sous Parc Level. Côté qui a travaillé en plus sur le terrain, ça. C'est vraiment un travail qui est important. On garde l'image là pour nous voir comment ça a marché. Donc, je dis à nous déplacer dans la ville Saint-Marc, côté que nous pouvons supporter. Alors, pour nous visiter le Parc Level, on garde le travail qui a fait là sur le Parc Level de Saint-Marc. Côté que vraiment, monsieur a travaillé d'âge, bien sur les chiens. On garde pour voir comment ça a fait. Et c'est tout le terrain, ça a fait. Mes amis, par contre, qui s'en offre une encore, qui s'en capote pas encore. Et vous faites un bel travail. On connaît. Donc, vous dites, on va capter en foulard tout le temps. Bon, sélection nationale, là, vous dites, on victoire contre Jamaïque 2-0. Et c'est dommage, nous ne pouvons pas continuer encore parce que nous sommes ces jeunes éliminations. Donc, nous pensons quand même, qui sont pensés de groupe là, parce que tous les joueurs qui sont dans le jeu local, quand nous jouons les Léo, et Charlie Wall qui sont sortis de Saint-Domingue, et nous avons l'autre qui sont sortis de Saint-Domingue, c'est Adriano qui était dans l'équipe de Don Bosco. Donc on pensait quand même équipe jeune ça avait une jeune quelques jeunes ça qui intégré sélection c'est bon. Oui. On pense que à l'avenir Steve, si on kembe équipe ça, si on investit, si effectivement nous besoin d'une bonne équipe nationale, équipe ça n'y journée jeudi à l'année supposé kembe il m'pas connaît Steve si besoin d'autre entraîneur. Moi même il ne veut il on dit j'ai pas convaincu mais trop. D'ailleurs, il était fait une déclaration, il dit que au changer nous défaite si pas les salles, il dit que football nous pas bon, il dit que il joue le coup pas niveau, il par quoi que il monsieur était en déçu de l'équipe là bien avant la jeu de Vaco 5 parce que nous n'avons pas un carnaval goal et puis c'est le contraire. Pas seulement nous ça, pas seulement ça encore devant Costa Rica, équipe perdue et journaliste dans la salle attend nous. Monsieur va présenter. Ça c'est un manque de respect pour nous-mêmes en tant que joueur, en tant que footballeur, en tant que fanatique parce que bon, pas possible pour parce que l'autre pays on entraîne ou bien on ne peut pas présenter dans la conférence de presse. Ou ce soit au chargé ou bien au quel que soit la situation, quel que soit le résultat, quel que soit ce qui passe, on suppose venir pour venir bailler et pour venir bailler. Oui, qui s'est passé parce que j'ai regardé entraîneur et Guatemala qui c'est Salvador, je crois, qui c'est Maradiaga, qui sont Honduriens et qui pas réglé rien dans l'éliminatoire. Monsieur a pile pression sur lui malgré que et Salvador perdu, monsieur obligé présenter dans la salle de conférence journaliste a pressuré, monsieur a posé la question du monsieur dit, yo dit monsieur au son fracasso par grand ya équipe là et monsieur dit mais si nous dit ça par contre ça vous me dit non alors vous montrez dans grand pays il y a quelque soit résultat supposé venir pour venir expliquer mais ça passe parce que c'est son insulte lié quand même c'est pas monsieur obligatoire pour présenter et venir bas exactement comment qui sont pensés de sélection de match là en général.
Donc pour dire c'est dommage nous arriver dans fin émission hein, nous pas bien aimé mais nous pas capable et qu'on est avant nous aller nous toujours quitter mon avec une belle image beauté sport nous parler de football non pour nous parler pour nous montrer beauté sport en général qui ça sport représenter pour nous même qui vivre alors qui relève ça c'est football ça c'est football ça c'est le sport alors on a quitté avec Tima et Sayo enjoy li alors nous pas que super ou dire mais am dengue avec Steve Guillaume. C'est Steve Guillaume, Foulaï, par exemple. Foulaï. Bah, bon. Yeah, man. Foulaï!